I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve eh bien pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online pour vous présenter un tout nouveau glitch pour modder tous vos armes sur Red Dead Online. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc on va commencer et je tenais à m'excuser si la vidéo durera 14 minutes. Voilà. Enfin bref, on va commencer. Pour les prérequis de ce glitch, vous devrez vous rendre en session publique ou en session solo, à vous de voir. Et donc je vous conseille de faire à l'armerie de Tomb Blue. Je vous montre tout ça sur la vidéo. Donc moi pour la vidéo je vais modder ces revolvers là tout simplement. Donc ce que vous allez faire, vous allez rentrer dans l'armurerie. Là vous allez faire L2 personnaliser. Et là vous allez sélectionner les revolvers que vous voulez modder. Donc vous aurez besoin aussi de la variante de ces revolvers là pour que ça marche. Donc je vais dans variante. Je fais X pour sélectionner. Là j'ai mis pas de variante. Voilà. Là ce que je fais chasseur de primes, je le sélectionne en faisant X. D'accord. Donc en gros je fais mettre. Une fois que j'ai fait ça, là je fais retour. Encore une fois retour. Et là je vais dans les revolvers, d'accord. Je fais variante, d'accord les gars. Donc là sur le tout je me suis fait un peu rater. Donc ce que je fais encore une fois retour, je retourne dans ces revolvers là. Donc on revient dans variante. Et là ce qu'on fait, on met la variante là. Et là on a spam X sur la variante là. La variante de chasseur de primes, on spam X, on fait retour. Encore une fois retour. Donc là on revient dans revolver, variante, et là on va dans la variante là, et là on spam X, d'accord, et là on fait retour, et là, faut que cela est fait, donc j'ai mis un petit ralenti pour pas que les vidéos soient un petit peu trop longues, bon mais ça va être trop longue, enfin bref, là vous voyez bien que mon revolver est invisible, donc là ce que je fais, je retourne dans revolver, d'accord. Là je fais variante encore une fois. Et là je sélectionne encore chasseur de primes, même s'il est déjà sélectionné. Et donc là vous allez faire retour. Là vous allez voir que votre revolver sera invisible encore une fois. Vous allez faire encore une dernière fois cette manipulation, excusez-moi. Donc je reviens dans les revolvers variantes. Et là je le sélectionne chasseur de primes, même s'il est déjà sélectionné.
Donc je répète encore une fois. Et donc là, quand elle fait retour, donc voilà, mon revolver, il est bien modé. Donc il est invisible. Donc je vais vous montrer sur le deuxième revolver. Pour ceux qui veulent le faire sur les deux revolvers. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre sur le deuxième revolver. Donc là, une fois, vous allez faire une fois flèche de droite pour sélectionner l'autre revolver. D'accord? Là, je vais dans variant. En gros, vous faites la même manipulation. D'accord? Donc là, je mets pas de variante et je remets la variante. D'accord, les gars? Donc sur le gameplay, vous voyez que je fais ça. Donc je fais mettre. Là je fais retour. Encore une fois retour. Et là je retourne sur ce revolver là. D'accord? Donc sélectionner variante. Et là, je spam X sur chasseur de primes. D'accord, sur la variante là. Là, je fais au retour. Retour, donc là, ça n'a pas marché, donc je refais. Donc, je fais sélectionner variante. Là, je vais dans chasseur de primes et là je spam X. Je fais retour et là, oui, mec, mon revolver il est invisible. Donc on va refaire encore une dernière fois. Bon, je revais là dans les variantes. Et là je spam X sur la variante du chasseur de primes. Et là, boum, mon revolver, il est invisible. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse sur la fin du gameplay. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et à me suivre dans les réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et moi je vous dis bon jeu, bon lutte à tous. Et moi je vous dis bye bye pour de prochaines vidéos. Blinded by the light ahead, thought about just what you said. Connecting lives is what you planned. After all, let's take a chance. Turning dust into diamonds, turning love into guidance. A second chance, let us commence. That's what I love. The life I see. What's left in me?
I'm still